La ministre wallonne de la Santé demande un rapport suite aux accusations portées hier par un médecin psychiatre de l'Institut de défense sociale de Tournai. Accusations graves, parlant notamment de viol entre patients. Le point avec Sébastien Prophète et Alain Ougardi. Eliane Thilieu interpellée cet après-midi en commission. Viol collectif entre patients et mort par overdose à l'hôpital psychiatrique Les Marronniers de Tournai. Ces faits sont dénoncés dans une lettre écrite par un médecin psychiatre. Au lendemain de ces révélations, la ministre wallonne de la Santé confirme avoir connaissance de ce courrier daté du 24 septembre dernier. J'ai bien entendu demander à mon administration de diligenter une enquête. J'ai aussi interpellé l'institution. Tous les faits graves que vous relayez ont fait l'objet d'une enquête administrative et d'un dépôt de plainte au parquet par le médecin chef de service. Bref, laissons faire la justice, explique la ministre. Mais le courrier du médecin va plus loin. Il parle de dysfonctionnement dans la gestion de l'établissement. Un député wallon réclame un audit. Sur le fonctionnement interne, madame la ministre dit pour l'instant, j'ai pris quelques renseignements. Attention, il y a parfois des rumeurs qui enflent, mais il y a aussi des dossiers qui enflent. Moi, je reçois un certain nombre de témoignages écrits, des gens qui en interne disent, il y a de vrais dysfonctionnements. Je voudrais simplement dire ici qu'un nouveau conseil d'administration a été mis en œuvre en juillet, donc c'est tout récent, que les commissaires du gouvernement sont également entrés en fonction tout récemment pendant ces vacances, et que dès lors, je pense que tout le monde se met à l'œuvre pour tenter d'apporter toutes les solutions à l'organisation. Pas d'audit, mais la ministre demande un rapport détaillé à la direction de l'Institut. Cet après-midi, le procureur du roi de Tournai parle d'autres dossiers sur les marronniers. Une instruction est en cours concernant des faits de mœurs en rapport avec le personnel soignant. Un surveillant est aussi mis en cause pour maltraitance. Il doit passer devant le tribunal correctionnel.